Je suis Soumaoro Félicité, président de la commission tourisme et gastronomie. Au niveau de la gastronomie, un ensemble de restaurateurs vont nous accompagner pour offrir à tous nos visiteurs la large panoplie des mets que nous consommons en Côte d'Ivoire. Vous aurez à la fois des mets modernes, des mets qui sont très prisés par les Ivoiriens, qui sont connus mondialement, comme la tiéké, la loco, notre poisson braisé, mais également des mets traditionnels, des mets que nous rencontrons dans toutes nos régions. On pourra citer le tikriti, la sauce aubergine, la sauce ntro, etc. Donc il y aura toute cette variété de mets là qui seront mis à la disposition de nos visiteurs pour qu'ils puissent parcourir la gastronomie ivoirienne avec tout le monde. Les deux grands sites où nous aurons la gastronomie, c'est d'abord au village des Jeux, à l'attention des compétiteurs. Et puis il y a le village des partenaires qui est le palais de la culture, où également les gens pourront découvrir notre gastronomie. Mais en marge de ces deux sites, nous avons tous les sites de compétition où les gens pourront offrir des petits mets, des petites grillades à tous les participants pour leur permettre d'attendre les heures de compétition, etc. Donc nous rassurons tout le monde, il y a toute une équipe qui travaille, qui nous accompagne, il y a des professionnels qui sont avec nous, il y a le service d'hygiène, il y a les services de la santé qui nous accompagnent également et ils seront très bien reçus en Côte d'Ivoire, ils vont partir avec un bel accueil. Vous pouvez manger vos plats africains. On est là, on vous attend.